Et maintenant, on va écouter plus ou moins ce que disait Piazzolla à l'époque, dans les années 70. Cette fleur, quand le ventre brûle de faim, qu'on croit se laver le cœur, rien qu'en s'élavant les mains. On a les yeux plus grands que le ventre, qu'on a les yeux plus grands que le cœur, qu'on a le cœur encore trop tendre, qu'on a le cœur encore plein de fleurs. Mais comme sont bons les chants de luzerne, l'automne des tambours mal battus, qu'on sent le clairon refroidi et les lits de petits verres tus, et qu'on s'endort toutes les nuits dans les casernes. La sidiose est à 30 fleurs quand le ventre prend naissance. Quand le ventre prend puissance, qu'il vous grignote le cœur. Quand les yeux se font plus lourds, quand les yeux marquent les heures, eux qui savent qu'à 30 fleurs commence le compte à rebours. Qu'on rejette les vieux dans leur caverne, qu'on donne à Dieu des bonnets d'âne, mais que le soir on s'allume des feux en frottant de cœur de femme, et qu'on regrette déjà un peu le temps de caserne. L'âge d'or s'écrase en fleurs quand le ventre se ballotte, quand le ventre ventripote, qui vous a bouffé le cœur. Quand les yeux n'ont plus de larmes, quand les yeux tombent en neige, quand les yeux perdent leur piège, quand les yeux rendent les armes, qu'on se ressent de ses amours, mais qu'on se sent des passions pour de vieilles sur le retour ou d'être jaunes en partance, et qu'on se croit protégé par les casernes. L'âge d'or, c'est quand on meurt, qu'on se couche sous son ventre, qu'on se casse sous son ventre les mains, protégeant les cœurs. Qu'on a les yeux enfin ouverts, mais qu'on ne se regarde plus, on regarde la lumière et ses nuages pendus. L'âge d'or, c'est après l'enfer, c'est après l'âge d'argent qu'on redevient petits enfants dedans le ventre de la terre. L'âge d'or, c'est quand on dort dans sa dernière caserne. Merci, merci beaucoup. Orchestre de chambre de Lyon, Chimichango. Merci beaucoup. Merci beaucoup.